Salut tout le monde, c'est Drunksline et vous pour une nouvelle vidéo. Et je sais pas si vous l'avez reconnu, mais nous sommes de retour dans Hello Neighbor. Mais c'est la bêta. Nous ne sommes plus en alpha. Le jeu est disponible officiellement en bêta. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé à l'acheter. Et donc, on va explorer cela ensemble. J'aimerais commencer par des excuses. Je m'excuse vraiment énormément à tous les abonnés qui courent après des vidéos de mes vidéos de Hello Neighbor. J'en ai pas fait beaucoup sur la dernière alpha. Je voulais le terminer de façon legit sans tricher. J'ai perdu du temps aussi. J'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir en faire autrement. Mais je n'arrivais pas à passer le passage du saute-saute dans le placard où on est tout petit. Ça m'a vraiment énervé. J'ai comme rage quit ce passage-là pour l'avoir essayé plein de fois. Et à chaque fois, c'était comme buggé. C'était vraiment chiant. Ok, donc ça m'a comme démoralisé et j'avais pas envie d'en refaire et de réessayer. J'aurais pu faire des vidéos avec des cracks ou des patchs ou des trucs pour pouvoir rentrer dans le code pour voler, passer au travers des objets et puis ce genre de choses pour découvrir d'autres secrets. Je le ferai peut-être. Il y a des choses très intéressantes que vous avez peut-être pas vues ou que vous avez déjà peut-être vues sur d'autres chaînes de YouTube, mais j'ai envie de les explorer aussi. Donc peut-être que je ferai une vidéo, mais pour l'instant, aujourd'hui, on est dans la bêta, ok? Fini l'alpha, c'est la bêta. Le lien est disponible dans la description pour pouvoir l'acheter sur Steam, parce que maintenant, on peut l'acheter sur Steam. Donc si vous êtes intéressé, go, allez-y, supportez les développeurs, vu que vous êtes des fans de ce jeu, tout comme moi. Donc là, l'intro vient d'être passée, vous ne l'avez pas vu, mais je vais vous résumer. C'est un peu comme l'intro d'un peu de la fin, dans notre building. On n'est pas dans une maison, on est dans un building, puis il y a comme une porte qui s'ouvre, elle se referme, puis là il y en a une autre qui nous apparaît devant nous, quelqu'un cogne, le petit d'ailleurs, en haut, vous voyez le petit fer à cheval bouge, et une enveloppe tombe, et on arrive là. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive dans le jeu. Donc ils ont fait des améliorations, ils ont essayé de cacher aussi tous les secrets de développement qu'ils n'avaient pas envie de révéler tout de suite. Pour pas qu'on puisse jouer à l'intérieur du code et essayer de les trouver. On verra bien sûrement qu'il y a des gens qui vont trouver le moyen de fouiller là-dedans. Bref, on va y aller sans tricher pour le moment. Et on va découvrir ce que ça nous promet. Donc pour une première fois par exemple, on est dans notre immeuble. Là on était avant de déménager dans notre ville. Donc on est comme dans notre maison. Donc on est comme dans une ville. Je peux-tu utiliser ça? Non. Et on a un nouvel objet. Non, pas jeter. Prendre des jumelles, mais on s'entend que c'est comme un bug. Ouais, c'est buggé parce que là ça zoom et malheureusement, wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette image? On dirait une vraie photo. Alors, s'il y a des gens qui arrivent à trouver sur grand, regardez, je vous le mets comme ça. Si vous arrivez à trouver sur Google. La photo, l'endroit exact de cette photo, parce qu'on s'entend que c'est une vraie photo, ce n'est pas quelque chose en 3D, c'est vraiment quelque chose, une photo qu'ils ont mis là, je ne sais pas c'est quoi ce bâtiment là, il y a l'air d'avoir des voitures, soit un stationnement ou un parking, comme on dirait en France. Donc si vous trouvez cet endroit sur Google, go dans les commentaires, allez-y à fond, le premier qui trouve à gagner, mais même moi je ne connais pas la réponse, on pourra peut-être essayer de questionner les développeurs Tiny Build pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, mais si on trouve ça, je pense qu'on va se faire des amis avec eux. Donc moi je vous invite à essayer de trouver ça sur Google et voir si on peut identifier cet endroit. Challenge pour vous, go. Vous acceptez, j'espère. Bref, on est dans notre appartement, on a des jumelles qui sont buggées parce que ça n'enlève pas malheureusement les jumelles, on zoome dessus mais donc ça bouche un petit peu notre vision. Donc voici. On est en ville. Petite musique sympatoche. Oh, là, je peux ouvrir. Ah, je peux-tu prendre ma valise? On a l'impression que je peux la prendre, mais je peux pas la prendre. Il se passe rien du tout. Non. Téléphone. Je suis très petit. Je sais pas pourquoi le téléphone est si haut que ça. Les interrupteurs sont super hauts aussi. Je suis devenu un bébé ou quoi? Oh, ok. Regardons ça un petit peu. Alors, on voit clairement
la maison de notre voisin qui est debout, les bras sur les hanches, les mains sur les hanches. Ça, c'est une position bien connue de notre voisin. Maintenant, qui est cette personne? Est-ce que c'est nous assis? Est-ce que c'est un enfant? Ça a l'air d'avoir la taille d'un enfant, mais peut-être que debout serait la même taille. Est-ce que c'est nous? Je sais pas. Allez-y avec vos théories, go! Dans les commentaires, n'hésitez pas, lancez-vous. Regardons si on voit autre chose d'intéressant. Une tasse bien carrée. Qu'avons-nous ici? On est vraiment petit, hein? Rien du tout. Je vois le corps. Là, il n'y a rien. Et là, oh! Une clé! On va commencer par attraper une clé bleue. Super. Où est-ce qu'on est ici? Je peux te voir. Là, c'est pas mal le néant, finalement. Ici. Ouais, c'est pas mal le néant, ici. Hein. Choses qui sont pas terminées. Je peux-tu ouvrir ce placard-là? Non, hein. Je peux pas l'ouvrir. Parfait. Donc, on a une clé. Mais c'est des choses là-haut. Rien du tout. Une chaise. Un poulet. On dirait bien que c'est un poulet. Avec un légume, peut-être? Je sais pas trop. Tu as quelque chose là derrière? Non, il n'y a rien, donc tu dégages. Tu as quelque chose derrière ce tableau? Tu dégages. Tu as quelque chose? Il n'y a rien derrière ce tableau. On va regarder s'il y a quelque chose derrière ce tableau-là. Tu peux-tu le prendre? Non. Et ça? Il n'y a rien non plus. Hop, tu dégages. Le fer à cheval, est-ce que je peux le... La lettre est tellement lourde qu'elle m'empêche de passer. Ben voyons voir, est-ce que je peux attraper le fer à cheval? Non, je peux pas attraper le fer à cheval, ce n'est pas grave. Puis-je regarder au travers de la porte? Non, je peux pas regarder au travers de la porte non plus. Même si ça a l'air de me dire que je pourrais... Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dessous? Non. Fouillons dans le frigo. Et il n'y a rien dans le frigo. Même pas notre reflet. Très bien. Donc là, ça sent le fait que on a une clé. Une clé bleue d'ailleurs. Je peux rien faire. Même pas regarder, donc on va prendre la lettre. Avec le texte qui disparaît complètement et qui est sur le côté. C'est très bien. Et c'est parti. Petite vidéo en plus. Donc ça a remis les objets. Non, non, les objets sont encore de même. Parfait, donc là on va lire. Oh, c'est le même geste que quand on lisait la carte sur la voiture. Pourquoi j'ai fait un moonwalk, je ne saurais guère vous dire. Puis-je prendre? Oh! Oh! Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Non, ah! Ok. Donc ça, ça a pas changé. Est-ce que ça change quelque chose si j'appuie dessus? Rien du tout. Bon bah rien, on va lancer ça. Donc là, je vois que j'avais carrément pas vu. Trouver le suitcase. Parfait. Il n'y a rien dedans. Donc on va devoir mettre des choses dedans, je suppose. Où est-ce qu'il est? Parfait. Donc là, il me dit... Find the key. Ça, c'est le deuxième. C'est déjà fait. Put the key in the suitcase. Ok. Donc mettons la clé là-dedans. Find the house. Open the door. Bring things into the house. Donc là, il faut trouver la maison. Je suppose qu'il faut qu'on sorte. Il n'y a pas beaucoup de numéros, hein. 2508, c'est pas les mêmes chiffres. 2508, c'est pas exactement la même date qu'il y avait dans le calendrier de l'alpha qu'on avait trouvé ensemble. Je vous laisse mettre votre opinion là-dessus. Est-ce que ça voudrait dire que le 25 août de cette année, il y a une sortie officielle du jeu version finale? En tout cas, c'est très étrange. Ok? On s'entend là? Très très étonnant. Pourquoi il y a deux téléphones d'ailleurs? J'en ai un ici et un ici. Et ils ont exactement la même date. Ou le même chiffre. 25h08. Est-ce que ce serait une date? Je pense que oui. Puis-je? Ah, ça a fonctionné. Donc on s'en va. Vas-y, n'aie pas peur. Go. T'es capable? J'ai vraiment l'impression qu'on est le fils.
La clé est debout, c'est trop beau. Elle est même plus dans la valise. C'est qu'on regarde la photo. Je pense que c'est nous assis sur les marches. Je vais mettre un petit peu plus fort le son d'ailleurs. Je pense que c'est nous assis sur les marches de la maison. Ici. Qui est toute fermée. Et je pense que... J'ai vraiment l'impression... Oh, ok. Ok. Maison est... Pas si grande d'ailleurs, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même rien du tout. Là, on a la maison qu'on avait. Ça, ça a l'air d'être la maison du voisin. Donc, hypothèse. C'est mon hypothèse, d'accord? Après ce que je viens de voir. La photo représente le voisin, la maison qui est celle-ci et le voisin debout sur la marche là. Maintenant, c'est nous qui sommes assis, donc on doit être le fils. Mais on est parti depuis longtemps. Ou le père est décédé peut-être, parce que nous on a grandi, ou le père est plus là, ou je sais plus, le fameux voisin. Et on revient dans la maison où on a grandi avec notre père. Pourquoi ça fait du bruit? Maintenant, peut-être ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on va être installé dans la maison, on va aller s'assoupir. Et le jeu, en fait, c'est de revivre ce qui s'est passé quand on vivait avec notre père dans la maison et de découvrir ce qui s'est passé pour en revenir à devoir quitter, vivre ailleurs, puis revenir là. Donc, c'est mon hypothèse. Je vous laisse mettre votre opinion dans les commentaires sous la description. Go! Et dites-moi ce que vous en pensez à partir de ce moment-là, à 11 minutes 52 de la vidéo, à peu près. Donc, je pense, c'est ça. Nous sommes dans le présent, on retourne dans notre maison où on a vécu avec notre père, parce que c'est notre père, je pense. Et là, on va revivre les événements qu'on a eus quand on vivait avec lui, et c'est ça le jeu. Pour découvrir le pourquoi du comment, on a quitté la maison. Ok, voilà, je vais aller voir de l'autre côté, voir s'il y a quelque chose dans la boîte à lettres. Non. Est-ce que je peux entrer ici? Non. On est vraiment petit par rapport à la taille des maisons, c'est un petit peu ridicule. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un seau, une chaise, notre voiture. Oh, une clobar. Ouvre. 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 J'aimerais ça prendre ça. Des fois, peut-être juste... Non, je peux rien faire avec ça. Parfait, c'est pas si grave. Une poubelle. Y a-t-il quelque chose là-dedans? Il n'y a rien là-dedans. Tu dégages. Une pomme mangée. Là, il n'y a rien. Il y a même tellement rien que nous n'avons même pas l'installation qu'il y avait ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a toujours la lumière bleue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allons voir si nous avons quelque chose par ici. On se souvient qu'à une époque, il y avait un aimant. Il n'y a rien du tout. Il y a quelque chose par là. Je ne penserai pas. Wow, il manque-tu un bout de la maison, là? Je pense que oui, moi. Est-ce que j'ai encore mes jumelles? Non, je ne sais plus. Dommage. J'aurais peut-être pu essayer de voir. Donc là, je pense qu'il manque un bout de la maison. Définitivement, il manque un bout de la maison parce que là, on peut voir des objets comme une lampe et autre chose juste à côté. Et il y a d'autres objets d'ailleurs. Wow, c'est quoi ça? C'est un poteau. Et je peux regarder dedans alors qu'il n'y a pas de trou. D'ailleurs, il y a une chaise. Alors qu'il n'y a pas de trou dans la serrure. Ok. C'est très intriguant tout ça. La douche. La lampe, la tondeuse. En regardant là-dedans. Une chaise, le fameux truc qui s'allume ici. Puis-je couper l'électricité? Sûrement, mais ça sert à rien pour le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose ici, par exemple? Rien du tout. Allons voir dans la porte. La fameuse porte qui n'est pas barricadée d'ailleurs, mais qu'on voit au-dessus de la porte qu'il y a un mécanisme qui monte et qui descend. C'est assez flagrant quand ils ont mis une animation de mur.
Parfait. Oh, il y avait un chapeau, je pense, si on regarde bien. Juste à droite. Youp. Bref, je crois qu'on peut le voir par ici. Donc, rien de spécial. Et un saut. Ok, parfait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'il dit, c'est-à-dire « Open the door et bring things inside ». Sauf que le « Open the door » fait que... Ok, j'ai ma clé, finalement. Ok. Puis-je, au moins, ouvrir ça? C'est con, parce que il y a le truc qui dit que ça peut s'ouvrir, mais il veut pas l'ouvrir. À moins que j'appuie là-dessus, puis ça s'ouvre. Non, ok. Je puis-je briser? Ça ne se brise pas pantoute. Reviens ici, parce que je vais peut-être avoir besoin de toi. Ok, donc, allons-y. On va juste poser ça là. Et on va ouvrir la porte. Il y a un bruit, hein. Et là, il me manque un pied de biche. Puis là, il me dit, va chercher le pied de biche qui est dans le coffre de la voiture, qui est déjà ouvert d'ailleurs, non, c'est ça? Non, c'est parfait. Ok, donc allons ouvrir ça. Open the door, bring things inside the house. On a bien compris. Donc, ils ont rajouté une petite histoire, c'est drôle. Parfait. Et on y va. Tum 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 tum. Nous voici dans le... Oh! Tu cliques dans le placard qui nous regarde. On est... C'est... Regarde, l'animation dit qu'on est en train de marcher à l'intérieur. Finalement, on se retrouve à l'entrée de la porte. C'est n'importe quoi. C'est pas grave. Hein. C'est une bêta. Alors là, il faut apporter des trucs à l'intérieur. Est-ce que tu le prends? Non? T'as pas aimé ça, mon lancer de... Tiens, prends ça. T'as pas aimé ça, mon lancer de... Non? Puis-je prendre ma valise? Non? Ma chaise, peut-être. Et mon seau. Parce que c'est vrai que vivre avec une chaise et un seau, c'est ce qui compte. Et voilà. La chaise est arrivée, c'est n'importe quoi. J'aurais pu visiter la maison avant de rentrer les choses à l'intérieur aussi. Boum! Ok, donc là finalement on vit en face de la maison et la maison n'est pas la même pantoute. Oh, ça a été un petit peu changé, la voiture est pas la même du tout, hein. Donc on va la regarder, ce qu'il y a ici. On va courir comme ils disent. C'est quoi ce mystère? Oh! Je passe au travers? Oh, mais quel bug d'ouverture de porte! Et là, le voisin va nous voir, c'est ça? Oh! Et là, il arrive. Oh! C'était prévu! Ah non, c'était pas prévu! Ok, on recommence. Tu rentrais dedans ou je me fais attraper? Est-ce que là il va venir? On va essayer d'avancer dedans vite, 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 vite. Non, il m'attrape. Ok. Donc là, juste, on a une, juste une simple chaise. C'est ça, c'est que. Ça donne le goût juste de prendre la chaise. Oh! Ok, il m'attrape tout de suite, là. Je suis pas sûr de comprendre ce que je peux faire. Pause. Non. Continue. Ok, il m'attrape tout de suite, finalement. Donc, j'ai pas grand choix. Qu'est-ce que je peux faire? Il veut m'attraper si je bouge pas, hein. En
En fait, si je bouge, il m'attrape. Il va m'attraper. Je sais pas quoi faire. Car il va m'attraper. C'est sûr qu'il m'attrape. Tiens, prends ça. Chaussure. C'est quoi ça? Peut-être c'est buggy. Ok, je cours. Je m'enfuis. Ah non. Est-ce que je me planque dans le placard? Au début, il me montrait le placard. Peut-être que je peux me planquer dans le placard. On va regarder ça tout de suite. On va ouvrir ça. On va le prendre, la chaise. On va l'ouvrir. On va se planquer dans le placard qui est juste là. Peut-être que ça marche. C'est ça qu'il faut faire. On va regarder tout de suite. Ah, c'est ça qu'il y avait une flèche pour le dire. En plus, c'est le pire. J'ai rien vu, mais il y avait une flèche qui disait planquez-vous dans le placard. Bouh. Oh. M'a attrapé. Ah, là, c'est normal. Ok. On est revenu comme il faut. Donc, c'est parti. Ok. Nous, voilà dans la fameuse maison. Qui ressemble beaucoup à la maison de ce qu'il y avait avant, hein, finalement. Alors, on va un petit peu visiter notre nouvelle maison. Avons-nous quelque chose ici? Puis-je me planquer dedans? Non. Le setup ressemble pas mal à l'appartement où on était. Il n'y a aucune image par rapport à l'autre. C'est le même setup. Y a-t-il quelque chose de plus ici? Potelé, potelé, parfait. Ici. Je peux pas l'ouvrir, mais ça me donne l'impression que je peux l'ouvrir. Oh, j'ai-tu quelque chose dans la main? C'est quoi le rouge? C'est mon coude, ça? Ah, c'est la chaise. Dégage, la chaise. Ok, je peux pas ouvrir ça. Très bien. Rien dans mon frigo. Et là, j'ai une pièce vide. Qui pourrait très bien être ma salle de bain. Bon. Et là, j'ai un tapis de métal. Pourquoi pas. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'on a ici. Waouh, mes fameuses jumelles et une poêle. Bon, regardons un petit peu le voisin. Ah, salut. Tu travailles? Super. Donc là, il a barricadé la porte. Il faut le mode, il faut la carte, puis tout. Parfait. Sa voiture, je pense pas que ce soit la même qu'avant. Mais en tout cas, elle a plus de roue, plus rien, ça fonctionne plus. Avons-nous encore la fameuse tour? Ouais, tout en haut, là-haut. Avec les mystères, puis tout ça. Ok, avons-nous encore le personnage en haut? Ouais, le mannequin que j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Est-ce qu'ils ont rajouté le fait de pouvoir rentrer dedans? Je ne sais pas. Là, on va faire pouvoir pousser l'arbre. Est-ce qu'il y a des choses spécialement YouTube? Vous savez peut-être pas, mais en fait, il y a des grands YouTubeurs anglophones qui ont été mis dans l'alpha d'avant et qui est peut-être dans cette bêta. Donc, ce sont des objets avec des représentations de leur chaîne ou de, c'est ça, de eux finalement. Je sais pas si vous étiez au courant, mais il n'y a pas de YouTubeur français là-dedans, par exemple. Et donc, moi, je ne suis pas dedans. Hein? Il aurait pu me remarquer. J'ai fait beaucoup de vidéos. Mais non, il n'y en a pas. Hein? Bon. Il a préféré mettre des gars qui trichent. Mais il n'a pas mis des youtubeurs français comme moi. Hein? Bon. Alors, on a toujours une clé rouge. On a toujours la glu. On a toujours la pomme. On a toujours tout ça. Donc, la clé, j'en ai pas besoin pour l'instant. Les lunettes, je vais les garder pour le moment. Donc là, nous... Oh, salut voisin. Je te vois. Ça, c'est un glitch. C'est très énervant. Donc, on va aller voir un petit peu ce que tu nous proposes, tout en ne sachant plus comment ça fonctionne. Ferme la porte, merci. Alors, est-ce que tu as quelque chose déjà dans ta boîte à lettres? Il n'y a rien dans ta boîte à lettres, et c'est super. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un affaire de YouTuber. Comme celui-ci, regardez. E-shot, one shot, one shot G.
Ok, Watchenji. Si vous cherchez, il y a une chaîne YouTube en anglophone qui s'appelle comme ça. Et là, vous allez trouver justement des références à ça parce que lui, il fait des vidéos de Hello Neighbor. Donc, ce gars-là, justement, bah, il est dans le jeu. Il a été placé dans le jeu. Tu as entendu un bruit, m'as-tu remarqué, non? Donc, la fameuse plantation, il va falloir mettre la graine à l'intérieur. Parfait. Lui, il est bugué, mais ce n'est point grave. Je me demande si lui n'est pas une référence. Oh, tu m'as pas vu, hein? Ah, je peux courir super vite en arrière. Je peux courir super vite en avant, mais je peux courir super vite en arrière et super vite sur les côtés. Waouh, ok, impressionnant. Parfait. Alors, le fameux château d'eau. Bon, tu te barres? Ça me gratte, je suis désolé. Bon, y a-tu quelque chose dans ta voiture qui pourrait m'intéresser? Rien. Donc là, je pense que là. C'est le moment d'un peu. Oh, la lampe torche a changé, hein. Ah, vous voyez là-haut? Ça, c'en est un, ça. C'est un YouTuber. C'est Wa. C'est un YouTuber. Je ne sais plus où sont les affaires. Donc, on y va. Nous allons visiter. Vu qu'il n'est point là, on va en profiter. Le fameux ascenseur, un piège dans le coin. Allons faire un tour par là-bas. Tu me niaises, t'es pas déjà en train de me courir après là? Wow! Tu me niaises! Qui appuies tu? Oh non! C'est-tu lui qui a appuyé dessus en lançant le truc? Eh, c'est fort possible! Ou c'est moi qui l'ai touché avec mon dos? En tout cas, si c'est le cas, c'est un enfoiré. Ok, on y retourne. Puis j'allais voir autre chose. J'ai complètement oublié comment ça marche dans ce jeu. Allez, on va briser ça. Monte. Très bien. Commence bien, hein? Il est où là? Est-ce qu'il est là? Je peux te balancer quelque chose? Non, ça, il faut que je le garde. La lumière aussi, il faut que je la garde. L'as-tu réparé? Oh, il est là! Ah, oh, man! C'est n'importe quoi! Regardez, de toute façon, c'est pas si grave, ça fait 28 minutes. On n'a pas encore avancé, mais on va y retourner. Donc, en résumé, on a regardé un petit peu l'historique, essayer de comprendre un peu le mystère, peut-être. Et on a visité notre nouvelle petite maison. Donc, dans la prochaine vidéo, on avancera plus loin. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu, c'est le cas. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir d'autres vidéos de ce genre. Suivez-moi sur Twitter pour ne pas rater les promotions que j'ai à vous offrir avec mon partenaire Games Planet. Commentaires, n'hésitez pas à m'écrire ce que vous voulez, des questions, n'importe quoi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.